Il y a un truc que je puisse pas. Oh bordel! Je crois avoir trouvé. Putain, c'était ça. Ok, je vous explique après. Si le chapitre ne se termine pas là. Ah, d'accord. Ok, je vous explique rapidement avant de le placer. Ici, on a les croisements. On doit faire entre la cabine et la chapelle. Il fallait le tracer sur le truc et ça nous indiquait qu'ici il y avait le nombre 7. Entre le pont et la chapelle, il y avait le chiffre 4. Et pour finir, il fallait la lettre du C, donc la lettre du 1000 qui était le 6. C'était ça les trois chiffres. Donc ici, si on trace entre le... Donc le pont, il est à peu près là, entre le 4 et le... Entre le 4 et le 8. Si on trace... Bah, en fait, c'est simple, là. Hop, voilà. Si on trace donc jusqu'au pont, on est à peu près au niveau du pont, au niveau du stylo, là. Et ben on croise le 7. Et entre le pont et la chapelle, on croise le 4. Ce qui donne notre deuxième chiffre. Et le troisième chiffre, on sait que c'est le 6. C'est le numéro du moulin. Ok, du coup, 392, hein, on est d'accord? Allez. Et j'ai reçu un achievement ventilateur. Ok. C'est assez psychédélique. Enfin, je m'approchais de Rusty Lake. Je ne comprenais ce qui se...
s'était passé, mais après un profond sommeil, je me retrouvais allongé dans la mystérieuse chapelle que j'avais vue sur les photographies. D'accord. Bon, on va déjà faire le tour et après on fera ce code-là. Apparemment, j'ai choisi au. J'ai trouvé au pif. Ah putain, non, il y a bien un symbole. Du coup. Ah, il c'est avec le corbeau. Ah, d'accord, ok. Donc le visage comme ça et la bouche ouverte. Bon, déjà une énigme de résolu. Oh, des taquins! Oh, j'adorais ça, les taquins. J'adorais faire ça à une époque. Ça remonte à loin, hein, le dernier taquin que j'avais fait. Mais attendez, lequel pourrait être en haut? Celui qui pourrait être en haut, c'est celui-là. Non, visiblement, c'est celui-là qui doit être en haut. Ok, donc autant pour moi, on va le monter. Ok, donc en toute logique. Ok. Ah d'accord, ok. Ok, du coup. Celui-là, c'est un homme avec un couteau, c'est celui-là. Ok. Ok. Ah, je suis con. Du coup.
attendez. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait un taquin, du coup, je galère un petit peu. Il est assez incroyable ce tableau. D'accord, et il faudra mettre le cube ici par contre. Mais bordel, cette scène de guerre civile. C'est la violence. Enfin bon. Allez, un autre. Ah non, c'est pas un taquin celui-là. Faut juste faire pivoter. Bon, ça va pas être compliqué ça. Je me suis dit que c'était un taquin plus grand, mais en fait, pas du tout. Comment je peux changer ça? Ok. Ok. Ah bordel. Merde, il y avait un chiffre au bout d'un moment, c'était quoi? Il me semble avoir vu un chiffre au bout d'un moment. Bon, c'est pas grave, on va faire le... On va faire ça. Ah, évidemment. C'est ça, hein. Il me semble que c'est ça. Et il y avait un chiffre.
pas retenu. Mais il n'y avait pas un truc ici? Non. Non, j'ai dû. Ça devait être au sous-chapitre suivant. Précédent. Du coup, on peut ouvrir un. C'est pas celui-là. Ah, non. C'est quoi ce truc-là en fait? De l'huile. Bon, ok, on a un crâne avec lequel je peux pas faire grand-chose. On verra après. Ok. Alors, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite. Gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite. Non. Et il y a le plafond que j'ai pas regardé. Bon, ok. On va commencer à regarder les indices, hein. Oh bordel. 148. Zut. Non, c'est pas ça. Ah quoi, c'est pas ça? Si, c'est ça. Pour moi, c'est forcément ça. Ah oui, ok, d'accord. Faut cliquer dessus une fois. Il y a une bougie là. Ok. Hop. Ensuite, on a. Du coup, on va pouvoir ouvrir. Oh là là, oh là là.
Oh, c'est terrible. Bon. Ok, tout ça pour récupérer une paire de ciseaux. Mais tout ça, je pense que c'est réglé. On va juste revérifier les indices, mais... Voilà, ok, oui, c'est l'œil, pas de souci. Ici, on avait ce qu'on avait à faire. Ok, donc tout ça, c'est ok. Donc ici, plus rien à faire. Ok. Le vieux corbeau et moi naviguâmes en silence jusqu'à une petite île située au milieu du lac. Il repartit sans un mot, me laissant interdit. Wow. Wow, c'est chaud. C'est chaud, frérot. Ah, ok. Bon, on est dans le grenage. Oh bah ça part alors. Ok. What? Wow, hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai... Hey, c'est angoissant. En fait, j'ai l'impression que si je bouge pas... C'est ça, c'est si je bouge pas, en fait, il... Je suis en train de mourir, comment ça se passe?
sans déconner, je suis vraiment timé là? Il est trop tard, les forces ennemies m'ont rattrapé, mais le lac me donne une nouvelle chance, je dois agir plus vite. Ah, cet enfer! Et ça y est, ça commence. Oh putain, file-moi un coup de main. Putain, j'ai pas accès à... Putain déjà. Il me reste quoi, il me reste quoi, il me reste quoi, il me reste les allumettes. Ça me rase. Ah non, et là par contre les puzzles timés, là je kiffe pas du tout. Je vous annonce que je ne kiffe pas du tout. Non, c'est non, c'est beaucoup trop angoissant. Oh bordel. Ah cet enfer, puis quand j'ai vu le nombre de rouages, j'ai fait non. Oh la vache. J'avais fini par atteindre le lac. Je ne sentais plus mon corps, je percevais le temps différemment. Comme si je ne vivais pas seulement le moment présent, mais également mon passé, tous mes souvenirs piégés dans de petits cubes flottant autour du lac. Ah, c'est raide! Oh, le dernier niveau est tellement raide! Enfin, il met la pression surtout. Et il n'est pas vraiment compliqué en soi, c'est vraiment qu'il est... Bon, je vais peut-être suivre. The Mill. Ouh. Eh ben. On a combien là? On est à 1 heure. Ouah, on a 1 heure de tournage. Donc pour vous, c'est un nouvel épisode là, qui commence depuis peu de temps. Ah la vache! Oh, c'est raide! Premier étage, souvenir, tatac, rivière. D'accord. Du coup, faut commencer par le salon. Ok. Si on n'a pas le choix, faut commencer par le salon. Ok. Ouh. On va se poser un petit peu là parce que. On va commencer par regarder le plafond. Ok, il y aura une clé là. Ouh.
D'accord, ok. Ok, d'accord. Pour le moment, je sais pas encore, mais on va voir. Fermé. S'il y a une porte à code. Avec le symbole de la chapelle. S'il y a du bois. S'il y a un emplacement pour être une clé. Ou en mouler une. Ok, on va pouvoir naviguer à travers ce tableau-là. Suis con. Bah alors, mets-le dedans, non? D'accord. Ah, donc c'est ça, il va falloir mouler la clé. Une dent, un canard, un poisson, une manique. Je pige pas là.
Il n'y a pas les éléments que je cherche en fait. Ah évidemment, d'accord, ok, là je récupère les cendres, mais ouais. Alors là, je sèche, mais complètement. Là, je vous avouerai sécher complètement. Hein. D'accord, qu'à part le salon. Là, la roue, c'est bloqué. Le premier étage, c'est bloqué. Donc là, j'ai accès qu'à ça pour le moment. Et je suis déjà bloqué. Le truc, c'est que je vois la palle là, mais je peux pas. Une dent, je peux pas m'arracher une dent. Non mais d'où tu veux que ça sorte la nana à la fin? Oh bordel! Alors ça c'est perfide. Look at this. They are looking at this.
J'ai pas vu de ciseaux à aucun moment. Enfin, au chapitre précédent, mais... Je vois pas à quoi elle peut me servir là. Ah! Ah, bordel, d'accord, ok. D'accord. Comment... Faut que la somme fasse 10 à chaque fois? Ok. Hello, Monsieur Vandermeer. Hello. This is Detective Dale Vandermeer. Yes. Is this Rusty Lake? C'est the word. Fate? I'm sorry. Your place is already taken. Oh nom de Dieu. Ok. Ok. Je
Cher monsieur, alors Crow, c'est Corbeau. Les âmes corrompues errent encore. J'ai peut-être trouvé la personne qui saura les arrêter. Là, par contre, les continuent à se balader sur le lac, c'est marqué en anglais. Il y a une mauvaise traduction. J'ai peut-être trouvé la personne qui saura les arrêter. S'ils peuvent à trou s'ils parviennent à trouver les deux cubes. Je vous apporterai la tempête. Vous pouvez l'amener à la cabine. Bien à vous, Monsieur Howell. Oh, un roué! La vache! Cher monsieur Crow, rappelez-vous, l'eau du lac doit être au bon niveau. Mais il a également besoin de souvenirs frais. Je vous enverrai le corps de la jeune femme dans le mois. Utilisez la machine avec sagesse à l'extraction de mauvais souvenirs. Pourrait corrompre le corps. Bien à vous, monsieur Hall. Eh ben. Oh. Ah. Pas dans tour loop, c'est juste la charpente. Ok. Ah non, d'accord, ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ah, faut les aiguilles à tricoter aussi. Je sais pas où elles sont.
Ça sert à rien de brute force, hein, je sais, mais... Non, ça sert à rien de brute force. Je... Viens remettre à minuit. Ça sert à rien de brute force. Oh putain. C'est bon. Putain, c'est ça. Donc, 4, 2, 1, 2, 3 et 4. Ça fait... C'est ça, hein. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ok. Ok, j'ai accès au basement, enfin j'ai accès, enfin c'est marqué The Basement en achievement Steam. Mais d'accord. Ok, la manique. Poulet et pour le poisson. Alors, moi je me dis, non, il n'y a pas moyen de le choper celui-là. Bon. Ok. Ah, 6h10. Ok. Les pattes de canard. Ok.
Allez, 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 mon cadavre. Ok. Va déjà aller se cuisiner le canard.